accordé. Lama dangam bonjam beyon na ja za lo e kange lo de dem nye den nye dara nam da rab sara ve chi nye den gön chi nye ze chi nye je tu gara le vam ze kanda se be chun rar ma re men tam ne du nye che ze ve dro zo e gön la hu je tar ze yen la e tu je yong den son Rudra chedro nyamon yikon leje chadro endro ze chen Mare mesre dungre nyugo chenye chen ze rade nam Dene tajen saju tarze yenden ludo jase tuyuku Chuntra chudan chunyi jente dagle mesre jambe yonla Sedene chiche chenro huzre che Tadu temo memba rapsarane Kadan tenche chonlu tokpa ye Lutu pope nuwa saldo solo Namda tsutim serje saji ten Tenzin pamir lingke benze Shirap nye ten nuwe chukun sa Tumchon drabi lama shage Jabyan shana du je jin re zi sa yin ni bu driba nam bar sire nam ke nyin bu shamba kun du zong nye we se jin je la sha je wo she je kala chin rabi jin kura je ze be we don dur je lin la ko ger we ten ba kun ne san ze pe ka ju rin bu che la sha za lo kang ge den jin de shin ni ke jin ni la char ba kong Lama rinche tabi ku doje chin shawe pe lai du. Laso tene samba shung chup chodo sim jeba sal tabne tambe che siro nang. Donc, s'il vous plaît, commencez l'enseignement par développer l'aspiration à générer l'esprit d'éveil, et avec cette motivation, écouter les explications qui vont être données. Shangchub sem la tukpare. Shangchub sem singe de nyingi chimbu kunne longwe. Shangchub sem singe de me tsawe chukutla. De techin ki chue sumro tukumare. So, la raison pour laquelle on commence les enseignements de cette manière est la suivante. Les enseignements qui vont être donnés sont des enseignements du bouddhisme Mahayana. Et le bouddhisme Mahayana a deux catégories, la catégorie des sutras et celle des tantras. Et quelle que soit l'une de ces deux catégories qu'un bouddhiste Mahayana pratique, cela ne fait aucune différence. Le but principal du chemin est de générer l'esprit d'éveil à l'intérieur de soi. Et pour que cela se produise, il faut générer l'aspiration à faire cela. Et l'esprit d'éveil est principalement consiste principalement en la grande compassion
Et la grande compassion est universelle, elle se focalise sur tous les êtres sensibles, sans exception. Et par conséquent, que l'on pratique le sutrayana ou le tantrayana, cela ne fait pas de différence. L'esprit d'éveil est la base de ces deux chemins. Et si l'on essaye de pratiquer en l'absence de l'esprit d'éveil, sans avoir généré l'esprit d'éveil, cela signifie que l'on n'est pas vraiment en train de pratiquer le bouddhisme Mahayana. Même si on pense que l'on pratique le bouddhisme Mahayana, on n'est pas vraiment en train de le pratiquer. Le sujet qui est enseigné ici durant ce cours, c'est la méditation bouddhiste, et en particulier les deux types de méditation de base que l'on trouve dans le bouddhisme, c'est-à-dire shamatha et vipassana. Et shamatha, c'est le fait d'acquérir un état d'esprit calme et donc clair, sur la base duquel vipassana peut être pratiqué. Vipassana étant l'acquisition de la vision de la véritable nature de l'esprit. Une fois que l'esprit a été calmé et est donc devenu clair, et qu'il n'est donc plus préoccupé par tout un tas de pensées. Donc ces deux types de méditation, on les trouve en fait dans d'autres religions. Par exemple, on les trouve dans l'hindouisme. L'hindouisme enseigne également shamatha et vipassana. Et il y a d'autres approches spirituelles qui enseignent ces deux méditations. Néanmoins, les enseignements concernant ces deux types de méditation ne sont pas exactement les mêmes que dans le bouddhisme. Il y a vraiment des grosses différences. Et une des différences, c'est l'aspiration à générer l'esprit d'éveil. Cette génération de l'esprit d'éveil étant la base de la pratique du chemin dans le bouddhisme, Mahayana. Donc, c'est vraiment important de connaître cette différence, ainsi que d'autres différences qui sont liées à ces différentes pratiques de méditation. Donc, ici, il s'agit d'expliquer ce que sont shamatha et vipassana sont dans le contexte de l'enseignement du Bouddha. Sachant qu'il y a des différences entre ces deux types de méditation dans le bouddhisme et ces deux types de méditation dans d'autres traditions. Donc, les noms shamatha et vipassana, on trouve ces noms dans différentes traditions. Néanmoins, comme cela a été indiqué,
Au niveau du sens, il y a des différences entre les différentes traditions. Il faut être conscient de cela. Et si l'on est un pratiquant du bouddhisme, il faut savoir ce que sont ces deux méditations dans le contexte de l'enseignement du Bouddha, afin de pratiquer un shamatha bouddhiste et un vipassana bouddhiste. Yorok tang Amerika re eshe longba nangbe longba nyimba deso la yang tene vipassana singen tene course kasa kana mungu tsugyo mungu tachep chembo rodi yin na yang dela zazep ki manang na nangba ke lakthung sige de kar sege yo je tang tendu ke ta chek doga ne mege kansarko tensi dabu mebu soya ke lakthung ji xe dege doga di chu ke bhar ki yewa chi xe ma tu xin pe nong chun zhong du se di xe kien de yang ngone kepa tse ding mung bu song dege doga tene Kepa tsaydeen mungpo songgido, yang tishiye tenkin nangla yang Westerna chikpo maare, pepe ke tozo tozo shenken tsogaya tishi huchi shiye tenkido Di shiye tenkido se... Tat indu ke shines, tat lakthong songi jindwa Relax se kido Tat lakthong tishi huchi shenken mungpo re pepe nangla yang Da yin na yang, ne rabo te tsaan kelgi mendo songne Kun namba kepa tsaydeen mungpo chiga songdegido, kepa tsaydeen shwe tizho. Yes. Nga yingi chigo. Nungbe yungle lobyong yaku yungki, halle lobyong yaku yungki, shijie ki keyi layang halle yaku yungki, purfe sadi me yue tenki, tizho te mungpo chigido wade. Te lame tsingi chigo na, Tene pa nanjami chintze, zungsa chintze ge e mungu songde ge doan de su kuala. Tene dende su zazab nungu ge kei chenpo nasare. It's important to take care. Il est important de faire attention à notre connaissance d'un sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer de ce que sont shamatha et vipassana dans d'autres traditions. C'est pas ce qui est dit, ce qui est, c'est pas ce qui est signifié ici. C'est que ce qu'on dit ici, c'est que il faut savoir quel type de shamatha et de vipassana est expliqué lorsque l'on écoute des explications. Il faut donc avoir la connaissance qui permet de distinguer entre les différents types de shamatha et de vipassana. En particulier, c'est vraiment important, en particulier dans le monde d'aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de mouvements, si l'on peut dire, avec des mouvements avec une dimension spirituelle, des nouveaux mouvements. Et des mouvements plus anciens. Qui s'ajoutent à des traditions anciennes comme l'hindouisme. Tous ces mouvements et ces traditions enseignent shamatha et vipassana. Néanmoins, selon la vue de leur tradition. Qui, comme on l'a dit, diffèrent parce qu'il s'agit de différentes traditions. Si l'on si on essaie de savoir ce que sont shamatha et vipassana dans une autre tradition, il faut être conscient de cela et être conscient qu'il va y avoir des différences par rapport au shamatha et au vipassana bouddhiste. Et il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, en particulier dans en Occident, en Europe et en Amérique, ainsi
que dans des vieux pays bouddhistes tels qu'en Asie, où ces deux types de méditation ont été établis et enseignés, très souvent dans le contexte ou avec le but de permettre aux individus de se relaxer de leur stress, de se détendre par rapport à leur stress. Et en fait, il n'y a rien d'erroné à vouloir à permettre aux gens de se détendre du fait d'alléger leur stress. Mais il faut savoir que ce type de méditation de shamatha ne sera pas le même type de shamatha que l'on aura dans le bouddhisme. Parce que le but de la méditation de shamatha dans le bouddhisme est différent du fait de est différent d'une détente en fait. Donc, il faut vraiment faire attention aux différentes informations auxquelles on a accès et à la façon aussi dont on va traiter ces informations. Il faut connaître les différences et il faut connaître aussi les différents buts de ces méditations dans différentes traditions. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de cours, comme par exemple des cours de vipassana, à différents endroits. Et pour un pratiquant bouddhiste, hein, il faut vraiment connaître la différence entre le vipassana bouddhiste et le vipassana ou le vipassana dans d'autres traditions. Autrement, on va faire des erreurs et on va incorporer des facettes d'autres traditions dans le Vipassana bouddhiste. Et ces facettes ne vont pas appartenir à la pratique bouddhiste et on risque de les incorporer à notre pratique bouddhiste. Et ce serait une erreur. Et il y a beaucoup d'érudits aujourd'hui dans le monde du bouddhisme tibétain qui sont vraiment très accomplis en termes d'érudition, mais aussi en termes de méditation. Et certains d'entre eux enseignent dans différentes universités, principalement aux États-Unis ou au Canada, en Amérique du Nord, et certains aussi enseignent en Europe, mais moins en Europe qu'aux États-Unis et au Canada. Et puisqu'ils enseignent à l'université, ils connaissent soit l'anglais très bien, ou la langue du pays dans lequel ils enseignent, que ce soit l'Allemagne, la Suède ou d'autres pays. Donc ces personnes qui ont un haut degré d'érudition et une grande expérience aussi peut-être en méditation, beaucoup d'entre eux ont mentionné à plusieurs occasions qu'ils ont perçu un grand degré de confusion en Occident et aussi en Asie parmi les jeunes, concernant ce que shamatha et vipassana signifient dans l'enseignement du Bouddha et ce que ces deux types de méditation signifient et quel est leur but dans d'autres traditions. Et à certaines occasions, ils ont appelé à ce qu'il y ait plus d'informations à ce sujet. Ils ont dit qu'il fallait vraiment
définir ces deux types de méditation selon la tradition qui les enseigne. Donc, afin qu'il n'y ait pas ce mélange d'aspects qui sont ce mélange d'aspects d'autres traditions qui sont apportés au bouddhisme ou l'inverse aussi, un mélange d'aspects bouddhistes avec d'autres traditions. Et il y a de nouvelles approches qui ont une dimension spirituelle et qui réduisent ces méditations à des exercices de pleine conscience. Et là, la pleine conscience est une qualité qui est importante dans tout type de méditation. Mais le shamatha bouddhiste et le vipassana bouddhiste n'est pas simplement la pleine conscience, la mindfulness. Et comme cela a été dit, il y a des maîtres bouddhistes tibétains aujourd'hui, comme par exemple Dzongsa Khyentse Rinpoche, qui a parlé de ce sujet à plusieurs occasions. Et il y a également d'autres individus comme lui qui ont parlé de ça. Et toutes ces personnes ont découvert qu'il y avait un manque de capacité à distinguer ce que shamatha et vipassana sont dans une tradition et à distinguer de ce que vipassana et vipassana de ce que shamatha et vipassana sont dans d'autres traditions. Et comme cela a été dit dans le bouddhisme Mahayana, ce qu'on appelle l'esprit d'éveil est l'aspect principal du bouddhisme Mahayana. Et afin de générer l'esprit d'éveil, le pratiquant dans le bouddhisme doit s'engager dans différentes pratiques qui vont être des causes qui vont permettre de générer l'esprit d'éveil. Par exemple, ce que l'on appelle tonglen en tibétain. Et tonglen, c'est le fait de méditer que l'on donne toute les qualités que l'on possède, on distribue ces qualités, on donne ces qualités à tous les êtres sensibles et on prend sur soi leurs souffrances. On les soulage et on les soulage ainsi de leurs souffrances. Et il y a également l'entraînement de l'esprit. Et ici, il y a différentes méthodes dans l'entraînement de l'esprit. Certains individus qui enseignent ont l'impression que ces deux pratiques, ainsi que d'autres pratiques similaires, sont la génération de l'esprit d'éveil. Mais ce n'est pas vrai en fait. Ces pratiques sont ce qui amène un pratiquant à générer l'esprit d'éveil. Donc ces pratiques hein, sont des causes sur la base desquelles l'esprit d'éveil peut être généré. Donc c'est vraiment important de connaître l'ordre de ces méthodes et le but des méthodes. C'est-à-dire que ici, hein, les méthodes elles-mêmes ne sont pas l'effet de ces méthodes. L'esprit d'éveil est un effet et résulte de ces méthodes. Donc il faut vraiment
bien connaître les différents détails des pratiques que l'on fait. Ce qui va nous permettre, hein, de ne pas faire d'erreur par rapport aux pratiques que l'on fait et de ne pas prendre une pratique pour une autre. Pas forcément les gens qui enseignent ça, hein, qui font ces erreurs, c'est plutôt les personnes qui vont pratiquer en fait ces méthodes qui font cette erreur. Et suivant le maître bouddhiste indien Shantideva dans le Bodhisharyavatara qu'il a composé, il dit là dans ce texte que la progression au niveau de l'esprit d'éveil, c'est de commencer par générer la connaissance de la chose suivante. Moi et les autres sont également importants, sont d'importance égale. Ce qui va nous permettre de se débarrasser de l'idée que je suis plus important que les autres individus au niveau de mes circonstances, au niveau de mon bien-être. Et c'est la vue qu'on a habituellement, hein. On est égocentré, on regarde comme on se considère comme étant plus important que les autres. L'individu voit son propre bien-être que l'individu voit son propre bien-être comme étant plus important que celui des autres. Et on essaie de se débarrasser de cette idée avec cette méthode. Et ensuite, la méthode suivante. Ça va être la suivante. Une fois que la première méthode a été, une fois que la première méthode a été accomplie à un certain niveau, l'individu va être capable d'échanger ses bonnes circonstances avec les mauvaises circonstances des autres. Donc, après avoir vu l'importance, qu'on était d'égale importance. Ensuite, on s'échange avec les autres et on donne ses bonnes qualités, ses qualités, et on prend les mauvaises circonstances des autres sur soi. Et tout cela, donc, Shantideva l'a expliqué dans une partie du huitième chapitre du Bodhisharyavatara. Donc, un pratiquant a besoin d'acquérir une connaissance de l'ordre de ces méthodes, de ce qui est contenu dans ces méthodes, afin de faire ces pratiques. Asangage Gyundre Lachu Gyu chuk dan drebu shangchub sem song re. La chu ta de la sena. La sena shangchub sem bar se wat ta de. Re. Tam di zun na ne. There is yet another. Il y a un autre bouddhiste, un autre maître bouddhiste indien qui s'appelle Asanga et qui a exposer six méthodes qui permettent à l'esprit d'éveil de s'élever. Et ces méthodes et leurs effets, la génération de l'esprit d'éveil ou le développement de l'esprit d'éveil, sont dits être le dharma des dieux, ou les dharmas des dieux, des êtres divins.
ce qui fait référence aux bodhisattvas qui ont pratiqué ces six méthodes et qui, de ce fait, ont été capables de générer l'esprit d'éveil. Kenpo Rinpoche a enseigné de façon vaste ses méthodes dans le passé. Un exemple en ce qui concerne les six méthodes, c'est lorsque le pratiquant contemple le fait que tous les êtres sensibles ont été une ancienne mère et donc et de ce fait méritent notre compassion. Lo jong gi ren pa ya ni cha song di ni cha shwa la gi luk se ta thom me gi luk se ni ka so you have my Donc il y a l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit donc qui est destiné ou l'entraînement de l'esprit qui permet aux pratiquants de générer l'esprit d'éveil. Donc cet entraînement de l'esprit a été expliqué par Asanga, Tisha et par d'autres maîtres. Et donc, avant d'être capable de pratiquer l'entraînement de l'esprit, le pratiquant a besoin d'avoir une vaste connaissance du principe de la réincarnation. Le fait que tous les êtres sensibles prennent une renaissance après l'autre dans différentes existences samsariques. En fait, si vous ne connaissez, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de la réincarnation, jusqu'au point où il est clair pour vous que c'est un fait, alors comment est-ce que vous allez être capable d'avoir de développer la grande compassion pour tous les êtres sensibles sans exception? C'est simplement impossible d'avoir cette d'avoir ce type de compassion universelle, à moins que l'on ne soit convaincu du fonctionnement de la réincarnation. Et que donc, c'est un fait que tous les êtres sensibles ont été à un moment ou à un autre notre mère. Et donc, qu'ils méritent notre compassion. Ouais. Changeup de semtiro che shodeyate, ndetsu ger samotan. So, this is Donc, c'est vraiment très important. En fait, c'est une pratique fondamentale qui va être donc le fondement de tout. Des autres pratiques du bouddhisme en général, mais plus particulièrement dans le contexte du bouddhisme Mahayana et son aspect principal qui est l'esprit d'éveil. Et c'est la raison pour laquelle Kenpo Rinpoche, au début de chaque enseignement, vous rappelle de générer l'esprit d'éveil avant de avant que l'enseignement ne commence. Donc il a été expliqué hier que le texte a trois parties principales.
Et aujourd'hui, on va commencer la troisième partie, qui est une explication détaillée de Shamatha et Vipassana. And here there are Et ici, dans cette partie, il y a cinq subdivisions. And the first of Et la première des cinq divisions, des cinq subdivisions, explique au lecteur la nature de Vipassana, pardon, la nature de Shamatha et de Vipassana. Et la seconde subdivision donne le sens des mots ou la définition des mots shamatha et vipassana. Et la troisième explique la nécessité des deux méthodes. Ensuite, il y a la quatrième qui expose les étapes progressives de ces deux méthodes. Et ensuite, la cinquième subdivision explique l'entraînement de chacune de ces pratiques. Donc, là, on va commencer la première des cinq subdivisions. Et donc, cette première subdivision explique ce qu'est la nature de Shamatha et ce qu'est la nature et de ce qu'est et ce qu'est la nature de Vipassana. Donc, la nature de Shamatha, c'est l'esprit en un point, ou l'esprit centré en un point. Donc, Shamatha, c'est le fait donc d'avoir l'esprit centré en un point. Qui, en se focalisant sur un objet d'observation, de focalisation. Donc, et cet objet doit être adéquat. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot adéquat ici?
pour développer une attention centrée en un point, ce qui est le but hein, de la méditation de shamatha. Il faut donc un objet de méditation ou d'observation adéquat. Et un exemple d'objet adéquat, c'est de se focaliser sur l'image d'un Bouddha, par exemple, ou sur le va-et-vient de la respiration, le fait où l'on compte les cycles de respiration, afin de développer une focalisation en un point. Et ce qui permet de calmer les préoccupations liées à d'autres objets ou d'autres pensées. Donc, qu'est-ce que serait un objet de méditation inadéquat? Un exemple d'objet inadéquat, c'est par exemple de se focaliser sur une personne qu'on considère comme un ennemi, quelqu'un qu'on n'aime vraiment pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se focalise sur un individu qu'il n'aime pas ou même qu'il peut haïr, en fait, ça va générer de la colère au lieu d'une focalisation en un point. Et par conséquent, ce type d'objet de méditation, par conséquent, ce type d'objet de méditation est inadéquat parce que il va être contre-productif. Avec cet objet, on ne va pas développer une focalisation en un point, mais on va juste développer de la colère, par exemple, dans ce cas-là. Now. Et selon le bouddhisme, si on se focalise en un point sur l'image d'un Bouddha, cela va générer du mérite, du fait que l'image du Bouddha incarne un grand mérite. Du fait hein, que un Bouddha incarne l'éveil en lui-même. Donc ça va être assez clair hein, pour un pratiquant bouddhiste. Ensuite, il y avait un autre exemple d'objet de méditation adéquat, qui était donc le fait de se focaliser sur le va-et-vient du souffle, le fait voilà, d'inspirer et d'expirer. Et tout en inspirant et en expirant, on essaie de maintenir une focalisation en un point sur ce va-et-vient, ce qui permet de pacifier les pensées et les distractions. Et un pratiquant bouddhiste peut se demander, est-ce que cela va également générer du mérite? Est-ce que cette focalisation sur cet objet va générer également du mérite? Donc cela va également générer du mérite chez le pratiquant du fait que
les efforts que l'on fait pour calmer l'esprit grâce à une attention centrée en un point. Cette méthode génère à la fois du mérite et également est en elle-même un acte vertueux. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit devient calme, les pensées non vertueuses sont pacifiées. Elles ne s'élèvent pas pendant la période où il y a cette attention en un point. Donc l'état d'esprit hein, qui demeure dans un état calme et clair est un état d'esprit vertueux. Et par conséquent, cet état d'esprit va générer du mérite. Même si la focalisation n'est pas comparable à la focalisation sur l'image d'un Bouddha en termes du mérite et de la vertu de la focalisation elle-même. Et donc, au final, ces deux types de focalisation sont adéquats et sont vertueux et génèrent du mérite pour les raisons qui ont été mentionnées. Ensuite, il y a la nature de Vipassana dans la tradition bouddhiste. Et là, il s'agit de la connaissance supérieure qui examine en grand détail les phénomènes dans le contexte ce que sont vraiment les phénomènes. Dans le contexte donc de la véritable nature des phénomènes. Donc, au départ, le pratiquant a développé une certaine habileté dans shamatha. Il est capable de rester dans un état d'esprit calme et clair, l'esprit n'est pas perturbé par les pensées à propos de ceci ou de cela ou par diverses distractions. Et comme cela a été dit, l'esprit est focalisé en un point. Donc, sur la base de cet esprit focalisé en un point, c'est-à-dire que qu'il n'y a qu'un seul objet de focalisation, qu'il n'y a pas d'autre objet de focalisation, donc sur la base de cet état d'esprit centré en un point, le pratiquant, grâce à la connaissance supérieure ou au discernement, examine en grand détail
et sépare les différents aspects des phénomènes en général. Now, this type of Et ce type d'examen est enseigné de manière vaste dans les différents traités de l'école de pensée Madhyamaka. And this type of analysis is Et ce type d'examen ou d'analyse, on le trouve à la fois dans le bouddhisme Theravada et dans le bouddhisme Mahayana. Et l'école de pensée Madhyamaka, que vous connaissez sûrement, est une des écoles de pensée que l'on trouve dans le bouddhisme Mahayana. Now, there may be Et en fait, donc il y a beaucoup de pratiquants qui cheminent vers l'éveil. N'ont pas étudié de façon vaste les écrits bouddhistes où on trouve les tenants et les aboutissants de l'examen qu'on vient de décrire, mais qui ont une focalisation en un point sur la libération du samsara. Et ce qui fait que ces individus ont tourné le dos aux existences samsariques. Ils ne sont plus du tout préoccupés par un style de vie mondain. Ils n'ont plus d'attachement pour un style de vie mondain. Et leur unique focalisation, c'est d'atteindre la libération du samsara. Now, for this type Et pour ce type de pratiquant, Et pour ce type de pratiquant, il y a une méthode d'examen ou d'analyse qui n'est peut-être pas aussi vaste que les analyses que l'on trouve dans l'école de pensée Madhyamika. Néanmoins, il y a des méthodes d'analyse des méthodes d'analyse hein, qui appartiennent à la tradition qui met l'accent sur les instructions clés qui sont données par des lamas extraordinaires qui eux-mêmes ont atteint différents niveaux de réalisation sur la base desquels ils sont capables de guider les autres grâce à cette approche. Et ici, le pratiquant, le lama dit au pratiquant ou enseigne au pratiquant une méthode et cette Le lama donc dit au pratiquant d'analyser son esprit afin de voir si l'esprit existe véritablement dans le corps ou à l'extérieur du corps, etc. Et il y a donc ainsi des instructions clés qui
vont permettre à ce type de pratiquant d'analyser son esprit et d'analyser son esprit pour voir si l'esprit a une véritable réalité ou pas. You have the manga. Et en général, et en ce qui concerne Vipassana et un processus d'analyse, il y a deux approches. Ce que l'on appelle la méditation analytique et la méditation posée ou la méditation placée. Both involve minute. Dans ces deux méditations, il y a une analyse en grand détail. Donc, ce n'est pas le cas où dans la méditation posée, il n'y a pas d'analyse. La méditation, l'analyse fait partie de ces deux types de méditation. Néanmoins, la méthode d'analyse va varier dans ces deux méditations. There appears to be many. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont tiré une mauvaise conclusion à cet égard et qui pensent que, qu'en ce qui concerne la méditation posée, il n'y a pas du tout d'analyse qui est enseignée. The general difference. La différence générale entre ces deux méditations. Nampar majo pe kong la che pa di che gyo re. Ya. Tene mi che re. Tene. Tene che kong te la, tene che che va ere go, tene koko. Ya. Che ne se de. Kase che ne te ga se che ne lu la nyeru ro go re ma to. Donc, la différence générale entre ces deux approches, la méditation analytique et la méditation posée, c'est que en ce qui concerne la méditation analytique, l'accent est mis sur l'analyse détaillée par rapport à ce que sont les phénomènes, par rapport à la véritable nature des phénomènes. Et donc, dans cette analyse, on va essayer d'acquérir une vision de ce que sont les phénomènes véritablement. Et donc en fait, cette analyse, elle est enseignée de manière continue. On insiste sur le fait qu'il faut faire cette analyse de manière continue. Parce que en fait, cette méditation analytique s'adresse particulièrement à des individus ordinaires qui n'ont pas encore acquis une vision de la véritable nature des choses. Et en fait, ces individus ordinaires ont besoin de continuer à analyser parce que en fait, ils n'ont pas la base nécessaire pour la vie, pour une vision de la véritable nature des phénomènes. En fait, ils sont pas allés assez loin pour avoir cette vision de la véritable nature des phénomènes. Et c'est pour ça que l'on encourage ces pratiquants à cette analyse continue dans le cadre voilà, de la logique et du raisonnement et de toutes
les raisonnements qu'on trouve par exemple dans les différents traités. Et ensuite, dans la méditation posée, en fait, l'analyse, il va y avoir également une analyse hein, qui est faite, mais cette analyse, en fait, elle va être faite hein, jusqu'au point où. Donc, ici, il y a donc. En fait, là, dans ce cadre-là, le pratiquant a moins étudié. Mais par contre, donc, il n'a plus du tout d'attachement à un style de vin mondain, un style de vie mondain, et donc il est très focalisé sur la libération du samsara. Et il est guidé par un lama accompli. Et il est guidé par ce lama accompli dans la tradition donc des instructions clés. Et dans ce cadre-là, donc le gourou va demander au pratiquant d'utiliser les instructions qu'il lui donne et ensuite de venir le voir et de rapporter sa compréhension et de rapporter de lui dire s'il a fait des progrès ou pas, etc. Et dans la conversation avec le disciple, le gourou va avoir la capacité de juger lorsque le pratiquant a atteint la vision nécessaire, la vision qui va permettre hein, l'arrêt de l'analyse et de se focaliser sur une méditation posée. Et les instructions clés sont des instructions qui vont sont des instructions où le disciple et on enjoint au disciple de trouver son esprit. Et ces instructions clés sont on les trouve hein, dans le bouddhisme, dans l'école Kagyu et dans l'école Nyingma. Kenpo Rinpoche va vous donner un récit concernant un maître bouddhiste récent de l'école Drupa Kagyu, en lien donc avec cette tradition. Et donc le précédent Karmapa, le 16e Karmapa, était un disciple de ce maître de méditation. Non, par contre, pardon, ce n'était pas un disciple. Mais donc le précédent Karmapa avait beaucoup de respect et appréciait beaucoup ce maître. Et son nom était Chipen Kunzang. Et Kenpo Rinpoche a rencontré Tripun Kunzang et Tripun Kunzang lui a dit que lui et ses compagnons du Dharma, lorsqu'ils ont commencé ce chemin, la méditation posée, on leur a d'abord demandé de faire les pratiques préliminaires 7 fois. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ensuite,
le maître, le gourou, leur a donné des instructions sur la méditation de shamatha et ils ont pratiqué shamatha pendant 3 ans. On the basis of which? Sur la base de laquelle ils ont été capables de parachever la méditation de shamatha, ils ont atteint l'attention en un point ou un état d'esprit centré en un point et alors ils ont reçu des instructions dans lesquelles donc on cherche où est l'esprit. Et c'est, ce n'est qu'après hein, qu'ils ont pu ensuite rentrer dans la méditation posée. Et pour donc ces instructions sont pratiquées donc pendant plusieurs années par les disciples. Et une fois que le pratiquant est arrivé au point où quand il est arrivé à une conclusion finale en lien avec ce qu'est l'esprit ou ce qu'il n'est pas, alors le gourou va lui donner des instructions sur la véritable nature de l'esprit. Il va lui donner des explications sur la véritable nature de l'esprit et va demander aux disciples de comparer sa conclusion finale avec ce qui est enseigné dans différents traités de la tradition du Mahamudra. And if they... Et s'ils trouvent hein, que leur conclusion finale est en accord avec ce qui est écrit dans ces traités, alors ils doivent expliquer au gourou comment ils sont arrivés à ce résultat. C'est-à-dire que leur conclusion finale par rapport à la véritable nature de l'esprit s'accorde avec ce qui est ce qu'on trouve dans les traités. Et dans ce processus, le gourou va donner des instructions et va demander aux disciples hein, de méditer sur la véritable nature de l'esprit. Et la méditation posée, en ce qui concerne hein, la tradition authentique, est uniquement pratiquée après tout ce processus, c'est-à-dire les sept série de pratiques préliminaires, les 3 ans de shamatha et des instructions additionnelles où l'on cherche l'esprit, toutes ces instructions clés. Donc, ce qu'on appelle la méditation posée, c'est le fait de poser l'esprit sur la vision de la véritable nature de l'esprit que l'on a et qui a été confirmée par le gourou. Et il y a des méthodes supplémentaires hein, qui permettent de
d'amener cette conclusion finale à des niveaux de réalisation de plus en plus haut jusqu'à l'éveil final. Donc la méditation posée en l'absence d'analyse ne fait pas partie de cette tradition. L'analyse fait partie de la méditation posée. Sosur gitsik kana jar. Sosur singen tenge mikpa la se chik de ne be shepati kande reisha. So it's about. Donc il s'agit de l'analyse de l'esprit centré en un point qui se focalise avec une attention centrée en un point, juste sur un objet adéquat, un objet de méditation adéquat. Pas sem kechik ma te de parendo maun parendo tata parendo te chene te rangi ma du pal ten phabu do. So there is. Donc il y a l'attention en un point sur le courant d'esprit qui est constitué d'une série ininterrompue d'instants d'instants d'esprit. Et chacun de ces instants est analysé en grand détail au niveau de leur début, leur milieu et leur fin, au niveau de du passé, du présent et du futur, pour et cette analyse a pour but hein, de donner naissance à une vision de la véritable nature de chaque instant d'esprit individuel. Et ce qui va être vu, c'est que chaque instant individuel d'esprit est vide de réalité. Du fait qu'il n'y a pas de passé, de présent et de futur dans le processus d'apparition et de cessation de ces instants d'esprit qui constituent le courant d'esprit fondamental. L'ensemble, c'est ton endroit. La tête, de sosur te da kechik ma re regi de pa ma on la sopa ye me gi tache ta de le yan ko sosur tache ta sosur tache tang gi do ga te ta te tache tang nge yi gi Tiyendo sem tse chik de ne pa tiyi ge ngogo de kandendo. Di ente chik shu yin ta nye di teka shu yu me chik sigro. Tse chik pa tirawa shivar ne ne varawa tanda. Da tak che tangdu sosur tope shira la tenne nampar je go gendo ka. Da nampar je pe yul te sem gungi kechik ma re re shintu so so che ne de takche tango gerwa korang denpa drogi ye me yes da korang dangpo sur ke tene ne tene yel ta du sum la tene
Dempar Madrupa gi gi tontanchi drug de la lebo gerva. Yeah. Tene de sosor. Yeah. Sosor git sikte. Yeah, then this tak ket tang ko do. Yang mena nam par jepa. Nam par jepa. De la du sumrava. Yeah. So the word. Donc en ce qui concerne ce type d'analyse et les instants du courant d'esprit, ce que le pratiquant fait au niveau de cette analyse en grand détail, c'est que en fait il va séparer, grâce à la connaissance supérieure, les différents aspects. Et en ce qui concerne les instants du courant d'esprit, cela fait référence principalement à l'apparition, le maintien et la cessation de chaque instant. Et de voir si ces différents aspects ont une véritable réalité ou pas. Si ces aspects présentent une véritable réalité, alors les instants du courant d'esprit seraient réels. Et sinon, il y aura une vision du fait que chaque instant individuel du courant d'esprit n'a pas de véritable réalité. Et par conséquent, l'esprit est vide d'une véritable réalité. Now, in the text. Et donc ensuite, dans le texte, l'auteur cite trois sources, trois citations, dans le contexte de ce qui vient d'être expliqué, c'est-à-dire en ce qui concerne en ce qui concerne la nature de Shamatha et la nature de Vipassana. So, as Donc, comme le texte est disponible sur la page d'accueil du centre de Vienne, Karma Sampling, Kenpo Rinpoche dit que vous pouvez lire ces citations qui sont prises dans trois différents textes. Et au niveau du sens, ces trois citations reviennent au même. C'est juste trois façons différentes d'expliquer la même chose. Et lorsque vous lisez ces citations en anglais, et si vous avez des questions après cette lecture, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il vous plaît, donc envoyez vos questions avant mercredi soir à l'adresse email de Dagpo Kaguling, l'email spécifique en lien avec les sessions de questions-réponses qui est inscrite sur la page d'accueil du cours d'été de cette année. T'as raison.
côté. Lama dangam bonjam beyong la ja za loi kangge lu de de nye den nye dara nam da rab sara ve chi nye den ge chi nye ze chi nye je tu gra le wang zen kong da si be chun ra